J'aimerais voir flotter dans les airs le drapeau rouge jaune vert que le conquering lion. Yo yo yo, comment va la compagnie aujourd'hui? On se retrouve pour un nouvel épisode RMS. Aujourd'hui, on se penche sur la carrière de Yannis Odoua. Let's go! Yannis Odoua est né en 1978. Il a commencé sa carrière à l'âge de 10 ans, propulsé par son cousin Daddy Harry, artiste bien connu sur la scène antillaise. Donc à 10 ans déjà, tu étais dans son système. Okay. Ouais, j'allais le voir. C'était pas compliqué, les parents te disaient Non, mais comme j'étais avec le cousin, donc ça va. Ça passe, ça va. Ouais, ça passait plus facilement. Je partais avec lui, bon, donc c'était cool. Mm-hmm. Et le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de sang à l'époque, donc lui, il répétait chez lui tous les jours. Okay. Et donc j'allais chez lui tous les jours, donc jusqu'au jour où bon, je connaissais tous ses lyrics par cœur. Okay. Et c'est un jour où il a fait une prestation, c'était à Ravine-Vilaine. Okay, en ville, ouais, à Fort-de-France, ça se passait sur le terrain de foot. Mm-hmm. Et il venait de faire sa prestation quand je suis arrivé. Et donc je suis allé le check, lui dire que c'était bad, quoi. Ouais. Il me fait, ah, t'es là. Il est remonté sur scène. Il a dit, bon, ben maintenant je vais vous présenter un jeune artiste qui s'appelle Little Yannis. Donc je me retourne, je le cherche, je le trouve pas. Il me donne le micro. Il m'a dit, bon, les gens ils t'attendent là, donc c'est toi qui te débrouilles. Et tu savais pas du tout qu'il allait faire ça? Ah, ben du tout. J'étais juste allé le check pour lui dire, ouais, bad. Tu avais des textes déjà préparés ou... Non, même pas. En fait, c'était ces textes que je connaissais pas. Et j'avais fait un morceau qu'il avait sorti sur l'album avec Don Miguel qui s'appelait Scandale. Ok, d'accord. C'était un morceau qui faisait qui aime la bien ça, aime la danse, doit me le prouver. Dans cette assistance, que ça a pété. Ça a pété, tous les potes qui étaient là et tout. Ils m'ont fait, oh, on savait même pas que tu chantais. J'ai dit, mais même moi, je savais pas. Il fréquente le sound system de Martinique et c'est à l'âge de 13 ans qu'il sort son premier album, Little Yannis. Il a même été présentateur sur l'émission Ragazine sur RFO, une précocité incroyable. Non, mais surtout à l'époque, cet album-là, on l'a enregistré sur Bonn. Tu vois, oui, c'est pas ça, ce sont des trucs qui n'existent plus aujourd'hui. Et c'était au studio d'Emmanuel Granier à Trinité qu'on avait fait ça à l'époque avec... c'était qui était ingénieur? C'est Guanel, je crois. Ah ouais, carrément. Ah, ouais, c'était... Et c'est grâce aux connexions de Daddy Harry. Complètement, voilà, exactement. C'est Harry, en fait, à cette période-là, il voyait que j'étais vraiment passionné par ça. Mm-hmm. Il m'a dit, bon, ben, si tu travailles bien à l'école, ben, on va t'offrir un petit cadeau après. Mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Okay. Et après, un jour, il m'a emmené en studio, il m'a dit, bon, ben voilà... Là, je t'emmène, là, on va enregistrer ton album. Et à cette époque-là, j'avais fait un album de 5 morceaux. Il y avait un morceau qui parlait du phénomène du crack qui prenait de l'ampleur chez nous en Martinique à cette époque. Un morceau qui parlait d'amour aussi, qui disait que bon, c'est pas qu'il n'y avait pas d'âge pour être amoureux. Un morceau qui parlait de la détermination aussi, en fait, de la détermination, en fait, tout simplement de l'amour que j'avais pour la musique à cet âge-là. Qu'est-ce qui m'avait inspiré, pourquoi je voulais faire ça, tout simplement. Et un autre morceau qui parlait un petit peu des petites galères qu'on pouvait avoir à cet âge-là, quoi. Donc, c'était un peu varié, c'était juste un petit univers, façon, bon, pour un petit gars de 13 ans, quoi. Je me souviens un peu des paroles, ça faisait, bon, avec, c'était en patois de chez moi, ça faisait, des pays en détente, ça nous toute la rime. Matché, qui a fait la une de tout journal là, Martinique, crac là et puis coq là, caïen qui amplifié, alors Babylone Soka, attends-moi d'où pour répliquer, baba moi crac, baba moi crac, j'ai le manant, baba moi crac, crac, crac. Y'a pas de café, ni café, ni thé, et n'y avait boulangerie. Problème, c'est parti.
94 à 97, il participe au collectif Red Zone. Et le son on t'a, entre guillemets, ben, connu, c'est America, si je me trompe pas. Oui, ça c'est sur Red Zone. Quand je fais America, j'ai 16 ans à peu près. Ouais. Alors, la période Red Zone, c'est une période qui c'était quoi, 94 jusqu'à 97, justement. De 94 à 97, c'était un collectif de potes. Hein. Moi, j'ai été contacté à cette période-là par Jama Keita, qui travaille avec Laurent Leduc, qui m'a appelé, qui m'a dit ouais, en fait, on travaille sur un concept d'album et tout, on voudrait t'inviter. Il m'avait sorti le terme une compile. On fait une compile et on veut t'inviter dessus. Donc, j'ai dit ouais, pas de problème. J'arrive au studio avec Jama et ils me font écouter un morceau. Direct, je trouve que le concept, il est super bien parce que c'était pas habituel, c'était vraiment quelque chose d'original. Et donc, je pose sur ce fameux morceau dont ils m'ont invité. Et ensuite, ils me font écouter un deuxième. Je trouve qu'il est vraiment bon. Donc, je pose sur le deuxième. Après, ça, en fait, c'était une réaction en chaîne. Ça a fait boule de neige. Et au final, ça a créé tout un collectif avec Liberty King, Little Sister, Queen Levy Culture, Traffic Jam. Il y avait JSB aussi à l'époque. Franchement, en fait, c'était vraiment une belle aventure parce que c'est ma première aventure en fait de mouvement collectif. Fait jungle party, dancehall party entre temps avant. Des compiles? Ouais, des compilations qui ont bien tourné ici au pays là. Franchement, où il y avait Pline qui chantait Yo de Opacano, Richou, Valvouba, officier. C'est à l'âge de 20 ans. En 98, il s'installe à Paris. Donc, je suis parti en France. J'ai fait un an d'abord avant de chanter, même dans les sound systems. Je voulais observer un peu. Okay. Tu vois, je ne connaissais pas du tout. J'étais parti, je ne connaissais pas. Donc, j'observais, je regardais comment la scène elle évoluait plus ou moins. Quoi. J'étudiais un peu le terrain. Okay. Bon, à partir de là, j'ai essayé de faire partie un peu de la scène. Sound System à Paris, donc j'ai eu l'occasion de faire les salles comme l'Espace Confluence, Masséna, tout ça là, quand je suis arrivé. Quand je suis monté, j'étais avec des amis aussi comme Lord Co-City, Daddy Mori, Azrock, ce sont des gars que j'ai check quand je suis arrivé en France. On le retrouve sur l'album de la star montante du dancehall, Lord Co-City, sur le titre Nice and Easy, aux côtés de Daddy Mori, Supa John et Little Yanis qui devient Yanis Odoa. Sur l'album Everlord, méga bombe dancehall incontournable. J'ai eu la chance de connaître un artiste du Nigeria qui était très militant, qui s'appelait Fela, okay. Fela Nicolas Pokoti, qui était le bras droit de Malcolm X à l'époque. Okay. Et à la mort de Malcolm, il est redescendu au Nigeria et c'est lui le créateur de l'Afrobeats. Ok. Ouais, c'est Fela. Ok, d'accord. Ah, et d'où le nom Odoa aussi qui vient du Nigeria. Ok, d'accord. Tu vois, ça veut dire fier d'être noir. C'est okay. Un Yoruba. Now it's ready for the dancehall party. Ce soir tous les passés sont réunis en harmonie. Nice and easy, nice and easy, nice and easy. Prends le mic, j'entends sans moi, ils sont des noms. On comprend le système et les fuck up. Donc on s'est dit ma chambre, c'est bandit des guidés. Que le seul est temps pour l'homme. Oh, le game music, c'est la musique de l'era.
gars ça m'en adore. Cette année c'est sûr, on fera les meilleurs scores. Mix of the vibes, Yannis au doigt. Mélange les styles, authentique, il vient des îles. Haïti, la douce gay, annonce en club reggae. Allez, passez le ghetto. Tout le monde veut ça, dans la dance hall, beaucoup de monde en est à nous. Les styles originaux, et c'est pour ça qu'on bataille. Même si on se met à dos. Lève ta main si t'aimes le raga. J'aime pas la techno, j'ai balance à tout. J'aime le reggae music, ne me dis pas que ça t'étonne. T'écoutes la techno, tu sais là pour vraiment tu déconnes. On a peur d'aucun DJ, man, on a peur de personne. On rentre sur le ready, mais puis, man, on met la gomme. Lève ta main si t'aimes le raga. J'aime pas la techno, eh ben, Lord Co-City, c'est très simple, c'est un ami que j'ai depuis ma plus tendre enfance. Nos parents et nos grands-parents se connaissaient déjà, donc qui fait que bon, ce sont des amis de la famille, quoi. Donc, il m'a servi aussi en arrivant en France, il m'a conseillé pas mal sur pas mal de choix à faire aussi, puisqu'il connaissait déjà un peu le milieu. Donc à ce niveau-là, il m'a vraiment guidé. En 2001, une mixtape sort, Megamix. J'ai la rage, j'ai aussi envie de tout brûler. Je me sens oppressé par des lois que Babylone a monté. Je constate, bon, mon claque que depuis que je marche à quatre pattes. Ils me traquent et m'attaquent dans les soins qu'un jour je claque au sourd du bac. Ok, donc je n'ai pas fait la fac, je n'ai même pas le bac. Mais pas de panique, je fais de la musique, pas pour le fric. Terminant sur une île volcanique, je revendique. Quoi d'amantique, sont en situation critique. Ça vous n'a qu'un rythme, ting. My Selecta joue comme un king. Ce qu'on attend, ce que tu nous souris, je ne te faut. Allez dans ton but, ne pas tomber autour du pot. Faut pas que je m'en aille avant que j'ai son numéro. Elle veut un gars bien, c'est certain. Quelqu'un qui la mettra bien loin de toutes ses aventures. Elle ne se prend pas la tête. Ne vois-tu pas qu'elle est faite pour toi? Elle veut partager du love. C'est pas comme ça que tu vas la retenir. Tout ce que tu crois. Encore un peu et tu la verras sans. Le temps augmente le son pour qu'elle prenne des vibrations. Je rentre chez moi, je l'emmène. Comment que je ferai d'elle une reine sans aucun problème, faudrait savoir quand même. Puis le single La Caraïbe, c'est un gros succès, même un énorme succès. J'ai sorti un album en 2001 qui s'appelait Yon Payon à cette époque. Il y avait le morceau La Caraïbe dessus, donc c'est un morceau que peut-être que justement qui sert de référence pour ceux qui ne me connaissent pas, qui faisait La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais dit ça, c'est uniquement pour travailler qu'on nous a emmené là. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement on l'a, chacun fait maintenant ce qu'il veut, moi je veux rentrer chez moi. La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais dit ça. Abolition de l'esclavage physique, théoriquement on l'a. Chacun fait maintenant ce qu'il veut. Des générations entières ont souffert bien plus qu'au bagne. Pour savoir que je ne juge personne et personne je ne blâme. Mais il y en a qui se battent pour l'indépendance. La majorité préfère être sous la tutelle de la France. Pour savoir que je ne fais pas partie de leur manigance. La Caraïbe ne nous appartient pas, on n'a jamais dit ça. Ça me fait mal au cœur. De m'entendre dans la galère. Je vois des gens qui pleurent parce qu'ils vivent dans la misère. Un frère gavine à la lerga. Parce que tu ne choisis pas de vivre dans cette situation là. Tu sais c'est vite fait de se retrouver licencié. Ça peut aussi arriver à celui qui est oppressé. Je sens la douce comme une arme d'humanité. Tout le monde doit vivre comme nous, ils sont normalement constitués. Parce que ça me fait mal au cœur. De m'entendre dans la galère. Yo parle qui fait nos failles, a long time. Yo parle qui fait maman fail. Allez Matinda, Carizos a fini fail. Fini fail. Yo parle qui fait nos failles. Bouge de haut, ça va de droite à gauche, rentre dans tous les sens. Prêt à foutre le feu, on a la lunette et les sens. Bouger la piste, yeah. Yannis au bois et là et on s'assiste. Aye. On est sur la piste. Tout pour ringer les femelles et voir jump up les mal. Pour nous c'est le principal. Tout le monde est chaud, tout le monde est happy. Les garçons à l'affût, les femmes qui sont les plus sexy. Ceux qui sont de grands cheveux.
comparable. Loin de toi, c'est sûr que je vais être câble. Je passe à trois jours et demi, mon frère comme une maladie, contaminé pour la vie, je ne serai jamais guéri. Cette passion que j'ai pour toi est incurable. Les sentiments que j'éprouve ne sont pas palpables. Ne t'inquiète pas, quand tu cherches en chemin, je ne te lâcherai pas. L'année 2002, on peut aussi le voir sur l'album de Tiken Jah Fakoly sur le titre Y'en a marre sur l'album France Africa. Journalistes assassinés parce que des présidents assassins, les fonds du pays dilapidés, les droits de l'homme ignorés. Après l'abolition de l'esclavage, ils ont créé la colonisation. C'est Babylone qui nous exploite. On en a marre. Il faut qu'on arrête de cautionner ça. La vie de nos frères ne compte pas pour cette bande de vampires. Ils ne nous respectent pas, c'est la même chose pour leur loi. Fantasme surtout pas l'argent, c'est pas qu'il y en a pas. Ils ne font rien pour nos sisters qui se vendent pour vivre dans ce monde-là. Bon, Tiken Jah Fakoly, par contre, c'est une autre histoire. C'est, comment dire, en fait, c'est une collaboration qui s'est faite de par... en fait, moi, je l'avais croisé sur scène. Je l'avais vu sur scène, en performance, en tournée. Et quand il préparait son album France-Afrique, en fait, on nous a invités, à participer sur un morceau avec Tiken Jah, qui a donné le morceau On en a marre. Et c'est depuis là, en fait, que je l'ai vraiment rencontré, qu'on a pu faire cette collaboration-là, cette aventure-là ensemble. Il fait aussi la première partie du monstre jamaïcain Bounty Killer lors de son passage à l'Élysée-Montmartre. Et il sort un maxi intitulé Kick It Again. En 2003, il fait une apparition sur l'album de Don Chua, Vapeur Toxique. Un album devenu disque d'or. J'suis devenu un accro du micro jusqu'au point où on nous demande de ne pas faire de propagande. De plus en plus beau, ça va de plus en plus vite. Maintenons le niveau avant que le niveau nous quitte. Bon exemple pour les young men. Avec mon funk dingue, la raison m'a skunk flingue. T'as mis les deux doigts dans la prise ou quoi? Petite excité, pas d'imprudence. Même s'il y a des imprévus. Young men, on est là pour connecter nos idées, montrer que notre force est l'unité. Ça fait longtemps qu'on est dit. Nous éclate sur les têtes des bamboclates. Notre fil est chargé, il est pâte. C'est pas une blague, manite, ça va. Ça va de plus en plus vite. Il enregistre pas mal de singles pour des One Redeem, notamment sur la version française du Redeem Genesis avec le titre T'es ouf, sur le Savage Redeem avec la grosse tuerie Qui est-ce qui est devenu un de ses gros hits, ainsi que sur la version française du Redeem Itch produit par Bakshish avec le titre Western. Mais tu es ouf, tu es complètement malade, tu ne sais pas qu'on peut être pas, continue à nous raconter des salaires, on fera des kilomètres, pas besoin de décodeurs, on les voit en même. Y'en a marre des branleurs qui croient que c'est tout le temps la fête. S'ils nous cherchent, on les marche par direction. Arrête ça, dernière fois arrête ça. Ici c'est le gueule ragueur. Y'a beaucoup de soldats, y'en a comme ils s'évadent. Des malones, des mamans, bambocas. Tu es ouf, tu es complètement malade. C'est pur nous yé, nous les vivez. Là nous qu'à aller parce que nous plus que déterminés. Qui peut nous arrêter quand on est motivé comme ça? Nous la plaque à peine fois. Soit un objectif, tout comme toi, un but ne marche pas sans savoir où aller. Tous les chemins sont nombreux, j'ai des pas pour rester actif. Ne pas rester à végéter, on n'a pas le temps de somnoler. On ne voit pas le temps passer, on ne va attendre que les choses se passent. En restant à sa place, faut faire quelque chose avant que les choses se passent. Aie confiance en toi, défonce pas tête baissée. Redresse-toi pour affronter tout obstacle qui vient aux interposés. Est-ce qu'il peut nous enlever cette rage qu'on a de conquin pour l'Almighty Father? Il faut une nouvelle rengaine, pour au droit c'est son domaine. Encore dans les sans système, on a des moments sans gêne. Apprennent le monde s'active, on élimine tous les dilemmes, revient pour tous ceux qui vivent. Tout dit d'être seul pour nous, c'est l'hectare. On veut du roux sur les guéras. Pour l'énergie, une fois de plus, la danse c'est pas qu'on va. La volopie donne le meilleur, c'est un de l'auto. Margal, t'es mon succès, ça je t'appelle Mr. Lippo. Y'a pas de mystique, c'est notre domaine, y'a pas de chance. C'est notre vie, pour la représente de Madinina à Paris. Joue là un peu plus fort que je vois bouger les balises. Les King Pondy Mike, pour les gueules et tous les bois qui sont là. En 2007, avec ses amis et artistes Matinda et Stray Kaidé, ils fondent le label Legalize It et sortent l'album iTunes. Il n'y a rien de plus beau, il n'y
que depuis un moment entre bridge et l'entièrement d'amis, j'ai ce qu'il me faut. Tout le monde a ses défauts, on passe sur ça, on se rend pas dingue, il n'y a rien de plus beau. Je te donnerai la force qu'il faut, je veux qu'entre nous ça soit clean, j'espère être là quand il faut. Aya, ici, aya, well, aya, on chante pour nos soeurs et nos brothers, une unité secrète dans l'immédiat. Well, certains états agissent comme des terroristes, comprenant comme peut-être que c'est pas passion de Christ. C'est pas comme ça, pour la vie ton frère, je ne sais pas si tu verras le papa. Je ne pense pas que le paradis souffrira pour toi. Fais-tu d'arrogance portée avec présence. Je vais vous faire une confidence, ce n'est pas pour la liberté de s'exprimer. Combien de journalistes ont déjà été kidnappés? Ouais, mais ça devient difficile de se sentir en sécurité. On passe en vigie pirate quand on se sent menacé. C'est la grâce. Plus un seul jour dans ma vie où je ne vais pas prendre une vibes avec mon ami. L'année suivante, il sort Hits to Hits, volume 2, toujours sur le label Legalize It. Well, me happy hearts, what a happen to me people? Me cannot pay it. Me hear them asking, think for me cannot pay it. Seeming father disrespect, la part du tout puissant in it. Seeming father disrespect, we love your dishes, mate. Who let back your country, what's my life? Seeming father disrespect, we are from Odessa. We know nobody, we Jamaican live. So reggae music is to play from morning till night, but you think the tourists have a pocket? If we make a happy head, people tell me, well, is that intellect? Fire burn, fire burn, fire burn, fire burn. Blood around, blood around. The children want to play in the sun. The children want to play in the sun. We need love to stop the fire. Cause the fire could burn your soul and also your lover. D'explosion, beaucoup trop de sang et beaucoup trop de confusion. Il n'y a pas assez d'affection, pas assez d'attention. Fuitons de notre passage sur terre sans avoir à lever les mains en l'air. Restons debout et soyons fiers. Give thanks and praise to the Most High every time. Y'a des soldats, papa, sans quoi dans ma microphone. On ne veut plus se contenter de ce qu'ils nous donnent. Ils ramassent les restes qu'ils abandonnent. Il est temps d'être conscient de la vraie valeur de l'eau. Crois-tu que ce qu'on mérite, crois-tu que ce qu'on mérite, ce sont des miettes à peine de quoi bouffer dans mon assiette. Mais la valeur d'un homme c'est bien plus qu'un sac de billets. On a plié, on n'a pas cassé car on a prié. Ils nous boycottent mais veulent ce qui est à nous. Quand c'est positif ils disent que c'est pas à nous. Cette fois-ci ce ne sera pas la même. On ira chercher ce qu'on veut nous-mêmes. On ne restera pas à la traîne, non. Ayana, il sait ce qu'il faut et fais attention à ça. S'il ne voit que nos défauts, tant pis moi je ne changerai pas. Plus n'importe quoi, tes histoires on n'en veut pas. On n'a plus confiance en qui que ce soit et surtout pas en l'état. On va pas savoir si c'est vrai, yo vrai, yo. Si c'est yo même qui finit, mais ça va s'allumer. Si c'est monsieur, fais pas yo, fais ça encore. Fais pas yo, dis si ça comme si ça n'a autant. My lyrics pour Batman. On va pas savoir si c'est vrai, yo vrai, yo. Si c'est yo même qui finit, mais ça va s'allumer. Si aussi mec, j'en veux pas qu'elle y son encore. Tout mouvement qui est mort, est-ce nous pas d'accord? Yo qui a fini con Batman en toute soirée, toute sonne. Parmi yo pas ni foyon qui paie pas les balais. Tout en mi yo qui bonne. Sans ça pour le voleur et un jour pour le donne. C'est la CIA, mine, CIA en personne. Faut pas y'a d'ici, soit même si ça y'a autant. Est-ce qu'à un moment tu as eu peur, même si t'es pas business machin, est-ce qu'à un moment tu t'es dit, et qui ça m'en a fait là les gars? Si. J'abandonne, je vais faire de la peinture. Complètement. Ah ouais, à un moment je me suis dit ça. Ben, ça c'est après avoir fait le label Legalize It avec Dalton, Shaika et Matinda. Ouais, quand on a arrêté ça, je me suis dit, wow, je vais peut-être aller travailler avec les bêtes parce que je suis aide-soignant d'animaux sauvages. En fait. Okay. Donc, j'avais une réserve en Tanzanie là, qui chaque année m'envoie mon mail pour me dire, oh, on t'attend, hein. Tu nous as dit que tu fais ta musique, mais on t'attend. Donc à cette période-là, je me suis dit, ouais, vas-y, je pars là-bas. Et puis bon, après, de fil en aiguille, justement, grâce à la demande du public encore, Dieu merci. Merci au public, parce que ce serait pas vous, j'aurais pas fait de musique. En 2010, on le voit aux côtés de Yayawaska avec Nas June, il n'y a pas de coïncidence. Y'a pas de coïncidence, la vie est mystique, notre chemin mène à la connaissance de l'énergie cosmique. La vie ne tient qu'à un fil, c'est dans l'instant qu'il faut vivre, s'écarter des
les choses futiles. Mon énergie, il n'y a pas de hasard. J'ai confiance en ta vie, et ça j'en fais mon devoir. Et tout ce que dit ton esprit, laisse ceux qui croient tout savoir. Aïe, on a essayé d'Almighty, et ne se laissera pas avoir. Son âme contre le mal a eu une importance cruciale. Rester simple et normal, et trembler social. Chaque décision déclenche un événement. Il peut être positif ou non. Arrêtons nos bluffs, soyons philosophes avant que frappe une terrible catastrophe. En 2013, il sort son album Moment Idéal avec en tête de proue le single Rouge, Jaune, Vert. Il devient un hymne reggae. J'aimerais voir flotter dans les airs le drapeau rouge, jaune, vert. De la joie, de la bonne humeur pour mes sœurs et mes frères. Maximum de vibes positives. En place en premier, le rouge qui montre que Rastafari bouge. J'essaie de suivre ces lois qui ne sont pas si dures que ça rebond. Que le tribe Zunaya. Le jaune symbole du soleil qui rayonne. Tout l'amour qu'il nous donne pour lui, y en a qui rigent. Je vais représenter Zion pour une bonne méditation. Respecter la bonne des chants sur la liberté. On se questionne en plein cœur de Babylone. La rumba se formó la jodedera. Lo baila la francesa, la puertorriqueña, porque siempre están candela cuando bailan saltando. Quitaré la pena de tu corazón. C'est ben ici on est tous les mêmes. Le son est inédit, ici on dit que c'est caliente. Caliente, je vais t'avouer que je me sens envoûté. Et tenté, la jeune fille jusqu'à Cuba, c'est ce qu'on chantera. Missing against it. Te quitaré, la fille de mi rongo. Tenemos pa' rato, improvisation, inspiration pour le rato. On va à la direction de Colombia, à la playa. Solico, Venezuela, on est là. Yo, nous c'est frère et sœur. Fondation, grâce à elle, on sait quelle est notre position. Africa, Nicole, Tchala, Nipatié, vibration. Solution, la colonisation. Africa, pas jamais de foi, pas jamais baisser. Haïti, Africa, que vous, mes mamans, nous bisous. Être même pas qu'équité, idèle. Anna Dédé, nous, vous n'y êtes pas signé, non, Afrique, Gamana. T'es un vrai régal. J'ai passé du temps avec toi, girl. En ta présence, je me sens impérial. Ça fait longtemps que j'attends pour t'avouer mes sentiments. Maintenant, c'est le moment. J'ai des choses à te dire à propos de l'avenir. Je ferai tout pour devenir celui qui pourra t'offrir. Moi, j'ai de l'amour en quantité. Tant de choses à te proposer que je m'en voudrais de laisser cette occasion passer. J'attendrai le moment idéal pour te dire que t'es un vrai régal. A rich spice on your soul. Use the fellow. What's the matter with the world? Une chose est sûre, c'est que ça ne tourne pas rond. Where's the future? Oh, tomorrow. J'espère que ça sera mieux que maintenant. Ensemble reconstruisons. On a bien plus d'une raison de se mettre tout de suite en action. Tout ça on sait déjà. Voilà on essaiera d'arrêter d'abuser des ressources partout où l'on va. What kind of world are we leading the youths to follow? Yeah man. Malgré tout ça c'est parce qu'il nous empêchera de garder espoir. Ok c'est parti, je suis dedans. Sur un beat reggae j'en veux tout le temps. Hip hop underground, je suis le mouvement. Chaque pays a sa musique qui est appropriée. Music is my life. And the best we bring, carry the better thing. And this is our life. Every minute, every day, yes we are gonna sing it, yeah. Yannis and C-Sharp, yes we are gonna bring it. Music is all we ever know. So drop the rhythm, make the melody start to flow. That's all we have to say. That's why we have to pray that every day. Music is my life. Là on a check ensemble Clive Hunt qui est le réalisateur de cet album, qui est un Jamaïcain qui a eu l'occasion de travailler sur pas mal de produits en France. Et donc c'est lui qui a été le réalisateur de cet album. Et lui nous a permis de rencontrer à ce moment-là plein de musiciens de génie, comme des gars comme Dean Fraser, comme Kirk Bennett, comme Waya. Bon, qu'on ne connaît pas spécialement si on ne connaît pas le reggae, mais si on connaît le reggae, ce sont des musiciens qui ont joué. Bon, Dean Fraser, il avait, pour l'anecdote, il a repris tous les morceaux de Marley au saxophone.
Mon cœur Bennett, c'est le batteur à Béré Samon depuis un moment. Béré Samon, c'est un des artistes les plus au top en fait en Jamaïque. Et puis après, on a Waya qui est un génie, lui, au niveau du clavier. Enfin, pas que clavier, arrangements musicaux, arrangements de voix aussi. C'est qui fait partie du membre, qui est membre du groupe C Sharp, qui est un groupe révélation de la Jamaïque 2010. Et pour ne citer que, parce que sinon on a eu vraiment tous les artistes, enfin toutes les musiques qui sont jouées sur l'album sont en live. Donc il y a une pléiade de génies musicaux. Donc ton premier single va bien avec le drapeau canadien. Yeah. Tu peux nous en parler un petit peu. Ben, c'était un peu pour annoncer la couleur de l'album, comme c'était un album en majorité reggae, roots surtout. Donc le rouge, jaune, vert qui représente un peu l'emblème du reggae. Donc je trouve que ça s'est bien prêté, ça s'est bien prêté au jeu de présenter la couleur de l'album, quoi. Bien sûr, entre ces albums, de longues tournées sont organisées aux quatre coins du monde avec Artical Band notamment. L'exemple, c'est que quand l'album Moment Idéal il est sorti en 2013 là, on a arrêté de tourner en 2018 volontairement. Ok. Et on jouait toutes les semaines. Ok. Toutes les semaines. De 2013 à 2018. Non-stop. Et il a aussi écrit une grosse tune pour l'album Génération H avec Chalaou. On parle de cannabis, on parle de sativa, on parle de weed, de ganja, de marijuana. Si t'en fumes, sache qu'on va t'arrêter pour ça. Malgré ses vertus médicales, elle reste illégale. La sclérose en plaque, le sida et même la maladie de Crohn. Chrysasme, le cancer est contre les globes. Ganja man depuis longtemps déjà. En 2017, on voit le jour de son opus Nouvelle Donne. Nouvelle Donne, éternel recommencement. Nouvel épisode, tout est cyclique dans ce monde. J'écris mes rimes sur des pages en ciment gravées dans la pierre incrustée dans les éléments. Le jour se lève quand la nuit chancelle. Sur ma peau, le soleil pleure une étincelle. Nouvelle Donne, nouveau parfum dans l'atmosphère. Pour ceux qui veulent tout faire, seul nous on est déterminés pour le cycle à venir. Donner sa place à la culture, car le savoir est une arme qu'on veut. La musique dans les écoles et dans tous les lieux publics, faire vibrer la République. Aux portes de nos villes qui prennent le temps d'écouter les réfugiés. Wow, wow, wow. J'ai grandi sur les bords du Tigré en banlieue de Mossoul. Ce soir, les murs vibrent sous les tirs de missiles. On essaie de survivre puisque vivre est impossible. Ma femme me dit qu'il faut partir, que rester là n'est pas sûr. Nous sommes encore à la merci des passeurs. Donc j'ai mis mes économies pour payer le passage. Et même si dans le regard de certains, je ne sens que de la rage. Are you ready now? Yeah, you know. Are you ready now? Are you free? Déjà tout dépensé, crois-moi que c'est vite arrivé. Il reste juste ce qu'il faut pour payer le loyer. Et je roule même pas en merco. Au pire, je peux prendre le tinto. La même fait plus crédit. Sur le compte, y'a plus de money. Le mois n'est pas encore fini. Sur le compte, y'a plus de money. Le mois n'est pas encore fini. Il faut qu'on tienne. Tout dans l'aspect, rien dans les faits. Mais beaucoup croient qu'ils impressionnent. Y en a beaucoup qui seront vexés d'entendre ce que je vais leur dire. Pas besoin que tu confesses, c'est toi qui gères ton avenir. On s'applique dans la maladresse, mauvais exemple pour la jeunesse. On remplace les principes par la force monétaire. Ce qui fait une génération de plus en plus encore. Ceux qui ont de l'ambition devront combattre leur sens. C'est le bling bling, cash money et fille à tout va. Y en a qui signent simplement parce que les femmes aiment ça. Ce soir toutes les femmes sont belles, vaudrait mieux pas rester près de moi. Si je t'emmène à l'hôtel, faut que je sois sûr, tu saches pourquoi c'est pas. Non, les temps sont chauds. Le petit nous regarde de haut, ce qu'il voit n'est pas beau. Tout dans l'aspect, rien dans les faits. Mais beaucoup croient qu'ils impressionnent. Artistes ou sportifs qui représentent une image ou une attitude. Qu'on kiffe, faire attention à ce qu'il n'y ait pas de retour négatif. Bling, bling, cash money et fille à tout va. Y'en a qui signent simplement parce que les femmes aiment ça. Petit frère, la robe de ton approche pas. Soit cocaïne ou extra, méta, kéta, kankéro et MDMA. Beaucoup de frères touchés déjà et d'autres qui ne sont plus là pour te raconter de vive voix. Des solides gaillards y sont passés déjà. Ne laisse personne te faire croire que c'est bon pour toi. Tiens-toi loin de ça, souvent présent dans les fiestas. C'est un constat, la cocaïne à l'extra. Méta, kéta, crack, héroïne, MDMA. Il y a vraiment de quoi faire attention. La première fois n'est que le début du chemin de la perdition. Pour moi j'aurais pu dire ce que je pense de toutes ces aberrations. Que ce soit cocaïne ou extra. Tiens-toi loin de ça, souvent présent dans les fiestas. C'est un constat, j'en souviens voir dans nos quartiers.
moins cool, c'est nous, mais ça pourrait barder si on déboule, j'ai plus. Écoutez-nous, on en a marre de manger vos matraques. On défend le vivant et le gouvernement nous attaque. Oui, on a des choses à dire et des vraies idées à défendre. Institutions racistes, je pleure le monde depuis ma naissance. Avant que le dialogue soit annihilé, sais-tu ce que c'est grandir dans les inégalités? Vous avez tendance à jouer les étonnés. La vue ne vous dérange pas tant que c'est de votre côté. Je me suis levé avec l'envie d'en découdre. Fatigué chaque jour que Dieu fait de devoir jouer des coudes. Quoi qu'il en coûte, je viens de causer, faire exploser un système qui me dégoûte. Il nous pousse à bout. Je vais pas détailler tout ce qu'on subit comme misère. La liste est trop longue, on en aurait pour l'hiver. Écoutez, écoutez-nous. On vous prévient que la jeunesse est cool. La jeunesse est cool. Même dans nos quartiers, c'est cool, c'est nous. Mais ça pourrait parler si on déboule chez vous. Je chanterai toujours pour mon people. Je remercie encore le people. Là y'a pas de bling bling, soit Gucci, j'y sais du piolo. Tous les massifs et les postes, ils se mobilisent pour la cause. Pour nous c'est le reggae à son apothéose. On est là, on le vit, on ne nous le raconte pas. Merci pour ça, un big up mes blancs. Pour la force et l'énergie que tu nous donnes, si ça merci beaucoup. Je chanterai toujours pour mon people. Je remercie encore mon people. Il apparaît sur l'album de Isaï avec Stray Cadet sur le titre Ils ont parlé. On le retrouve aussi aux côtés du MC belge Yoman avec le titre Sins Emilia. Ils ont parlé, ils parlent et ils parleront. Abracadabra, je n'entends plus les blabla. J'écoute le son de mon cœur qui bat. Les murs qu'on a traversé, les mots tombent comme une aversée. Langue sa fuite est s'exercer, je parle un mot toujours controversé. Réaction face à ce genre de propagande. Relever le défi et rester toujours. C'est ce qui va rester plus tard, c'est ce que nous faisons. Réflexion, discussion, action. Progression, ambition, unification. Ils ont parlé, ils parlent et ils parleront. J'ai un stock de Sensimia pour mettre à Nestona. Gacha smoke, faut pas chercher très loin d'où me vient cette voix. Si tout le monde était high, y'aurait beaucoup moins de drames. Les têtes, on les fume pour la weed. Yes, on est déjà ready now. J'veux pas d'acide, que de la high grade. Pas de bouche, pas de paille, only high grade. Smoking the ganja, but I and I is a rasta. En 2018, il retrouve Daddy Mori pour le titre Reggae Power sur l'album de Mori. Et aussi aux côtés de Scaramucci avec le titre Ragamuffin School. Il est aussi aux côtés de Generation pour leur concept de vidéo sur YouTube Mike Session avec le numéro 7, Rise Real. Mais ressens-tu la puissance du reggae power? Simplement, le peuple a un nouveau parti. Porte-parole du ghetto, la fin est proche pour les pourris. Aucune de leurs magouilles ne restera impunie. J'ai entendu parler du natural mystique, de toute l'énergie fournie par reggae music. Mais ressens-tu la puissance du reggae power? Celle qui éveille la conscience des gens dans le désarroi. Toxique avec cette recette authentique, naturelle, façon robotique. Retournons à l'essentiel, même sans ordre chronologique. Je veux retourner au Mali voir mes racines biologiques. Tu me verras pas si trop dans. Mais ressens-tu la puissance du reggae power? You got a muffin, me a tell you, say. Y'a ni sa do a lock the street. Any boy disrespect, then them life is done. And we have the lyrics and now we have the fun. Love how we dance and them love have fun. Dash where they bomb them, dash where they gun. Na 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 na. Tell them they rock a muffins in your area. Mais ça Scaramucci avec Yannis Oudois. DJ Singer comme professeur, mais les lyrics ne sont pas des leçons. Les sujets sont divers, donc on propose plusieurs solutions. Tant que le public est à l'aise, on continue l'exposition. Si tout le monde est ready, n'attend pas qu'elle s'emporte. Et dans ça, na 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 na. Stop the record if you know, appreciate it. Been a few years till we hear the very same shit. And now we unite and we say, forget the people who might try to wonder here tonight. Alright, you're lacking sense of humor. Wherever you go, sitting behind you, come to the fight. We up, fight we up. Me never ever let it drop. Music can make me elevate, yeah. Don't you confuse it, we not come here so to play. We up, we there's no need to fight. Make we free, we mind. It's coming from we hearts and soul. Que la langue qui diffère, certains parlent pour le couleur. Reggae music, pour la morphine, pour arriver à la dancehall. Chacun sa spécialité, mais une journée. It's the kind of song we play along to the lady. It's the kind of song we play along. Oh gosh. Vibe we up, vibe we up. Flowing up his system. En 2020, on le voit avec Jack Haza, avec le titre Africa Diaspora.
Africa diaspora. Moi, mais je suis un parapluie. Est-ce qu'on va accepter longtemps cette domination? Imposée par Babylon, c'est ce qui tue Mama Africa. Pendant que l'Afrique a supervision, notre amour pour Mama Africa, il doit détruire toute barrière partout nous sommes sur terre. Prévu initialement en 2020, l'album Stay High sort finalement en 2022, retardé par un petit virus qui est passé presque inaperçu, la Covid. Effectivement, c'est un album qu'on a préparé, qui était prêt du moins, avant le confinement, mais juste avant le confinement, donc qui fait qu'on n'a pas pu le sortir. Ouais. Ça ne servait à rien, surtout qu'à la période du confinement, la consommation de musique était différente. Ça ajoutait un peu en plus, donc en plus, tu ne pouvais pas faire de show. Ouais, on pouvait pas jouer et tout, donc ça ne servait à rien du tout, c'était se tirer une balle dans le pied, donc on a préféré patienter. Okay. Et donc là, justement, depuis 2022, on a redémarré sur la route. Okay. Donc là, c'est un album que j'espère va vous permettre de voyager énormément, parce que chaque morceau, pour moi, c'est une destination musicale. Quoi. Oh, monsieur Yanis, et ces musiques-là, rangez chambre là. Aidez-vous là. Oh nous. Allez. C'est ta destinée. Des joies, des peines, des choix, des chaînes, mais jamais résigné. Des fois, je déçois, pour ça, je m'entraîne, mais jamais résigné. C'est ta destinée. Straight come from West Indies, Caribbean. Aujourd'hui, en exil à des kilomètres de mon Zion. J'ai Marinina. Même loin de toi, je pense à toi. 30 ans en arrière, depuis la Martinique, Little était fier de faire de la musique. On a mangé des microphones, épluché le ghetto, depuis l'époque de Redson à Baco. Des joies, des peines, des choix, des chaînes, mais jamais résigné. We are high, we are high. N'oublie pas d'où tu viens et traverse le miroir. Pour tracer ton destin, faut retracer ton histoire. Si tu connais ton passé, personne ne pourra t'effacer. Désormais, tu seras armé, plus jamais tu ne seras cadenassé. Freedom without you've got to remember. Stay high. We have to tell them. Mon panique, combine sa faute et mon irracine. Même en plein ville, il qu'a fait moi Non, le concept de base pour cet album, c'était, on a dit qu'on veut avoir un album Future Roots. Ok. Tu vois, donc okay. La base et la souche même du reggae de la dancehall, ouais. Mais en ayant les sonorités actuelles. Ok. Tu vois, c'est sur ça qu'on est parti et après, ça nous a justement amené, en voulant avoir les sonorités actuelles, ça nous a permis de voyager sur différentes influences. Comme sur différents territoires même. On aurait peut-être dû se vendre pour de l'argent, mais ce n'est pas le style de la maison. Les mangeurs, on a su faire sans indépendants jusqu'à présent. Woyoy, 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 woyoy. Toujours viser l'horizon. J'en ai vu se bouler les ailes, monter le temps de hits. Mais demain qui s'en rappelle, quoi qu'il advienne, ça viendra lentement. On fait ça à l'ancienne, on écoute les éléments. Juste moi, c'est grâce à tous mes bridges si j'en suis arrivé là. Ben, moi je dis que c'est le besoin en fait de sortir de ce Babylone là justement qui fait que le public lui-même est à la recherche de l'authenticité, du roots, tu vois, du vrai truc quoi. Ouais. Et qui fait qu'il y en a beaucoup et de tous les styles, tu vois. Tu peux avoir des punks, tu peux avoir des gens en costard cravate et ça va de tous les âges, vraiment. Au niveau le reggae là-bas, c'est y a vraiment un grand public pour cette scène-là. Vraiment grand public. Et effectivement, bon, on a des artistes qui ne performent pas souvent ici dans la Caraïbe. Mais ça, je pense que c'est par rapport aussi au côté vraiment roots aussi qui est mis en avant là-bas. Ouais. Ici, tu sais, c'est chaud, oui, on a besoin de dancehall. Ouais. Tu vois, ils veulent du truc qui envoie, qui jump pop, bon, les messages et machin, c'est bien. Mais est-ce que tu penses que c'est vrai ça d'ailleurs?
Non, c'est faux, complètement, puisque le public demande. On avance tous ensemble, on sort de l'ombre, même s'ils veulent nous diviser. La colère gronde, car le peuple ne veut plus se laisser faire. Jeunesse, tu protestes, tu veux te faire entendre. Leur modèle, tu contestes. La richesse est dans l'échange, l'essentiel n'est pas à vendre. Je suis, oui, tu es, nous sommes enfants de la terre solidaire de nos frères ensemble. J'ai vu passer. Entrée, venu tracer des lignes entre les pays. L'enfant de Zion est partout chez lui. Tous enfants d'une seule mère, tous ensemble. Connaissez l'ancien ennemi de Tonyo. N'y a pas de bâtiment, n'y a pas de Tonyo. Chantez une référence, t'es chacun sous nous. Tous enfants du monde, enfants de la terre. Qui te bat, il se bat avec la même fierté. Enfants de la terre solidaire, de nos frères ensemble. C'est l'amour que l'on donne qui fait de nous des hommes. À croire qu'on n'y arriverait pas, mais qui vivra verra. Ils croyaient qu'on n'y arriverait pas. Ils nous ont catalogués, jugés avant même qu'on ait pu dire un seul mot. Si tu peux, va et concrétise tes projets sérieux. Je suis pour qu'on matérialise ton rêve ambitieux. Le système se déguise, ils sont tous mafieux. Ils ont la même devise, profite tant que tu peux. Tu peux encore prétendre décider pour un autre. Facile de jouer avec une vie qui n'est pas la vôtre. Chaque homme doit décider de sa vie et ne laisser personne l'influencer. Qui vivra verra. Ils croyaient qu'on n'y arriverait pas. À l'heure d'aujourd'hui, depuis 2013, on doit être à 2000 shows, un truc comme ah ça. Ouais. Ouais. Partout, si tu devais dire aux gens un truc pour aller écouter l'album, ah ben, moi, je leur demanderais surtout de l'écouter parce que j'ai besoin de votre avis dessus aussi, parce qu'on ne fait pas de la musique que pour nous. Mm-hmm. Je ne fais pas de la musique que pour moi, sinon je vais chanter sous ma douche, c'est ce que je dis tout le temps. Mm-hmm. Donc j'ai besoin de votre retour, de votre feedback, c'est important pour la suite des événements. Et même les morceaux que vous préférez, les morceaux que vous aimez moins, c'est important pour moi de le savoir. Pourquoi surtout ? Un artiste d'une précocité comme on peut trouver parfois en Jamaïque. Passant de Little Yanis à Yanis au doigt, son style a toujours été de l'engagement sans faille, une voix unique et des vibes et une bonne humeur communicative. Il a sorti de nombreuses big tunes tout au long de sa carrière et c'est loin d'être fini. C'est toujours un plaisir d'écouter ses nouvelles prods ou de le voir en concert. Un artiste qui a marqué le reggae FR de son empreinte. Des îles au continent, il a su faire vibrer des milliers de personnes et faire trembler les sound systems et les scènes de concert. Nous voilà à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à mettre un petit pouce bleu et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Allez, big up la compagnie. Peace !